Les versions élevées de Baghdadat, un extrait du Murli du 18 janvier 1994. Baghdadat continue constamment d'écouter les chants d'amour et les souvenirs des enfants dans les quatre directions. Baba continue constamment de l'épouser, mais aujourd'hui, en retour de l'amour des enfants, spécialement aujourd'hui, en retour de l'amour des enfants qui sont l'incarnation de l'amour, Baghdadat vous donne une fois de plus spécialement la bénédiction d'être facilement dans le niveau volant. Donc la bénédiction d'être facilement dans le niveau volant grâce à la bénédiction d'être constamment aimant. Baghdadat vous donne la bénédiction d'être facilement dans le niveau volant grâce à la bénédiction d'être constamment aimant. Donc, toujours, lorsque quelque chose de difficile se présente aux petits-enfants ou une situation, ils se fondent dans le giron de leur mère et de leur père. Donc, les petits-enfants, lorsqu'il y a une situation difficile, ils se fondent et se blottissent dans le giron de leur mère et de leur père. Donc, de la même manière, fusionnés dans le giron de l'amour, en une seconde, et vous serez épargné du labeur. En une seconde, je rejoignis Baghdadat grâce au niveau volant, de sorte que, quelle que soit la forme sous laquelle Maya est venue, elle ne pourra pas vous toucher, même de loin. Donc, rejoignez Baghdadat en une seconde grâce au niveau volant, de sorte que, quelle que soit la forme sous laquelle Maya est venue, elle ne pourra pas vous toucher même de loin. Car non seulement elle ne peut pas venir sous le dé suprême, sous le dé de Dieu, mais même l'ombre de Maya ne peut pas vous toucher de loin. Ainsi, être un enfant signifie se protéger de Maya. Être un enfant signifie se protéger de Maya. Il est bon de devenir un enfant, n'est-ce pas? Devenir un enfant signifie se fondre dans l'amour. Devenir un enfant signifie se fondre dans l'amour. Acha. Om
Shanti. Om Shanti. Increase your account of accumulation. Augmentez votre compte d'accumulation. C'est un plan d'épargne. Économisez par vos pensées et vos actions. On your thoughts, words and actions. Tout au long de la journée, notez combien vous avez dépensé et économisez en pensée, paroles et actions. Maintenant, faites un plan spécial pour accumuler le pouvoir des paroles et des actions. L'élément principal est l'esprit, mais en même temps, économisez aussi par vos paroles et vos actions parce que l'esprit ou les pensées est économique. Mais les paroles et les actions sont visibles. Om Shanti. Shanti. Bienvenue à Vietti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 16. Augmentez votre compte d'accumulation du plan d'épargne. Aujourd'hui, le thème, c'est de d'économiser à travers vos mots, vos actions, vos paroles et vos actions. Maintenant, nous allons écouter Mohini Didi. Donc, économiser grâce à vos paroles et vos actions. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. La famille Aviat y est. Donc, il y a tant d'âmes de différentes parties du monde ont vraiment parlé d'Aviat Parivar et ici, Bhumi a été capable de donner le calendrier perpétuel. Donc, elle en a donné à chacun. Ils l'ont beaucoup aimé, ils l'ont apprécié. Donc, Aviakti Parivar est très généreux. Lorsque nous sommes capables de donner des cadeaux, nous le faisons. Nous donnons aussi des petits joyaux, je ne sais pas, des calendriers, des tolis, donc avec un petit sac aussi, un beau petit sac pour transporter le tout. Alors, Baba dit que vous devriez avoir une feuille d'équilibre ou une feuille de calcul. Vous voyez les comptes, ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Et ce devrait être maintenu régulièrement. Je ne sais pas aujourd'hui, mais il y a un temps où les gens n'écrivaient pas beaucoup de chèques ou n'utilisaient pas les cartes de crédit, donc ils utilisaient l'argent, donc ils notaient ce qu'ils avaient en main, ce qu'ils dépensaient, surtout les mères qui recevaient de l'argent un peu pour les dépenses, pour acheter de la nourriture, ou même des fois des vêtements pour la famille. Donc, ils avaient un petit montant. Et le soir, ils écrivaient, j'ai gagné tant, j'ai dépensé tant. Baba nous rappelle que il nous rappelle que d'épargner quelque chose, qu'est-ce que vous devez faire? Il y a différentes méthodes que Baba donne.
Donc, d'une façon de ne pas utiliser les pouvoirs inutilement, mais d'utiliser les pouvoirs, spécialement le pouvoir de la tolérance. Mais aujourd'hui, Baba dit que les pensées sont invisibles, même si nous savons qu'elles viennent un peu dans l'expansion. Nos pensées vont un peu dans l'extraversion. Donc, de ne pas penser de façon négative, ce n'est pas cela l'épargne, mais d'avoir des pensées élevées. Bien sûr, une bénédiction importante que nous avons partagée à tout le monde, c'est que tout va être OK. Mais d'une autre façon aussi, c'est de donner plus de bénédictions positives à quelqu'un pour augmenter l'enthousiasme, le courage, la confiance, quelle que soit la qualité. C'est très, très intéressant de faire cela et ça donne beaucoup d'amour parce que vous allez ressentir beaucoup de joie, de bonheur en donnant ou en donnant des vertus à quelqu'un. Vous allez définitivement avoir du succès. Vous êtes un cœur généreux de toujours maintenir l'espoir. Que vous êtes toujours une personne qui accomplit. Vous avez beaucoup de détermination. Ce sont ces sortes de pensées qui sont en fait des bénédictions, devraient être partagées pendant toute la journée. Ça va très bien. Juste de porter attention et tu feras encore mieux. Donc, vous continuez d'augmenter la force intérieure des vertus dans chacun des personnes autour de vous. Et chacun, toutes les personnes que nous rencontrons, Baba dit aussi de gagner un revenu. Et aussi d'épargner ce revenu. Ensuite, Baba dit, c'est à travers les pensées qui sont invisibles. Je me souviens, nous n'avions pas, un certain temps, nous n'avions pas autant de paroles pour nous exprimer. Ça m'est arrivé aussi que j'ai donné à travers mes pensées. Mais les âmes veulent aussi entendre des paroles. Une fois, il y avait un frère. Je pense qu'il avait un magasin. Mais il y a eu des problèmes pendant la journée. Il l'a appelé et j'ai entendu. J'ai donné de l'amour, saccage, des bons souhaits. Je n'ai pas dit beaucoup. Et j'ai dit seulement, c'est très bien. Il n'y a pas grand-chose qui est arrivé. Vous êtes encore vivant. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont été volées, mais vous êtes OK. Je n'ai dit que quelques paroles un peu plus tard. Ça s'est passé il y a quelques années. Il a appelé, la sœur aussi a appelé, il a dit, le système Moïni m'a démontré beaucoup de sympathie. Donc, c'était moins de mots, mais plus de pensées, je pense. Que c'est comme de dire les paroles appropriées au bon moment. Pourrait vraiment apporter beaucoup de force, de courage et d'espoir aussi aux âmes, dans le cœur des âmes. Ce que Baba dit, I think we have to. Alors donc, je pense que nous devons permettre au débit des paroles, des bons souhaits, de laisser aller ça pour les âmes. Ce n'est pas que tout doit être dans l'esprit, dans l'intellect, mais aussi utiliser les paroles. Mais Baba dit aussi à travers les actions,
That means giving support. Cela veut dire de donner du soutien, montrer que l'on prend soin. Especially, it could be when persons, these days we hear a lot about the health issues. Spécialement lorsque une personne a des problèmes ou des défis avec sa santé, donc nous pouvons avec les actions, par nos actions. Il y en a pour qui c'est plus facile lorsque c'est la famille, mais nous avons un grand programme que nous appelons prendre soin de la famille. Et c'est pour la famille Brahmin. S'il y a des maladies ou des problèmes d'âge ou de vieillesse, donc c'est très pratique. Et lorsque vous avez de l'aide, donc vous faites une petite soupe et vous l'envoyez à sa maison, à la maison ou à l'hôpital. Sinon, personne d'autre dans la famille qui peuvent cuisiner pour eux, parce que beaucoup de mères sont tellement fortes dans le principe de vraiment manger de la nourriture qui ne vient que de Baba ou des enfants de Baba. Ou bien vous êtes près d'un magasin où vous pouvez et vous pouvez prendre des médicaments et aller les livrer, les porter. Quelque chose, quelque part dans les actions, d'une façon ou d'une autre. Ou bien quelqu'un fait quelque chose et vous avez un peu de temps d'extra. Et vous regardez cette âme. Et l'âme est très occupée avec un peu de tension pour finir une tâche et vous lui donnez un coup de main, j'imagine. Donc, vous dites, OK, je peux t'aider. Est-ce que tu as besoin d'aide? Bien sûr, cela donne un bon sentiment. Un sentiment aimant, d'amitié dans les relations. Cela peut faire un grand impact sur le cœur. Donc, c'est par nos actions. Vous pouvez en penser à plusieurs exemples, peut-être, où vous avez été capable d'aider les âmes. Et lorsque vous êtes capable d'aider les âmes, ensuite, définitivement, cette âme va vous donner beaucoup de bénédictions. Ce que Baba dit, que les pensées sont invisibles. Silencieusement, avoir de beaux souhaits, silencieusement, donner sa cache. Parce que aussitôt que vous entendez parler quelque chose pour un enfant de Baba ou pour un lokik, Baba nous a enseigné, c'est d'avoir des bons souhaits, de donner de la lumière et du pouvoir. Mais aujourd'hui, Baba, ce qu'il dit, vous devez le faire aussi à travers les paroles. Et encore un peu plus à travers les actions. Donc, vous pouvez y penser comment c'est possible. Mais aujourd'hui, Baba nous a dit quelque chose de beau que j'ai trouvé tellement beau de voler vers Baba. S'il y a quelque chose, un défi, tout comme un petit enfant qui se cache dans le giron de sa mère ou son père ou ses parents et qui n'est pas capable de voir ce qui arrive. Alors, Baba dit aussi que si vous trouvez quelque chose qui est sérieux, qui arrive soudainement, not pleasant scene,
et que ce sont des scènes du drama qui ne sont pas très plaisantes, voler vers Baba. C'est intéressant d'être dans le giron de Baba, de se fondre dans le giron de Baba et de vous cacher dans le giron de Baba. Et à cet endroit, même Maya ne peut pas vous trouver. Et rien de l'extérieur va vous affecter lorsque vous êtes dans le giron de Baba. Je pense que quoi que Baba nous dise, en d'autres mots, qu'il nous promet, il nous promet. Donc, s'il nous promet, nous devrions l'expérimenter. Juste fermez vos yeux. Au lieu de regarder encore plus et de se dire qu'est-ce qui arrive, comme s'il y a un accident sur la route, les gens ne devraient pas regarder, mais ils arrêtent pour voir combien il y a eu de dommages, s'il y a eu des blessés. Et donc, les gens prennent du temps et ensuite, la circulation est interrompue. Donc, ils le regardent tellement dans les détails, ils prennent tellement de temps. Et cela crée un grand impact sur eux et sur nous. Tout en regardant cela, nous faisons tout disparaître et nous nous retrouvons dans le giron de Baba. J'aimerais mieux pratiquer cela au lieu de voir les scènes et d'absorber ces scènes qui sont plus difficiles. Juste être un observateur détaché dans le giron de Baba. Bien sûr que c'est réconfortant d'être là. C'est aussi très protecteur. Il nous protège de quelque peine que ce soit ou de blessures qui viennent de l'extérieur. Alors, l'amour de Baba, le giron de Baba, c'est notre protection. À compter d'aujourd'hui, nous allons garder notre bilan ou nos comptes chaque soir. Et nous allons prendre soin de nos dépenses. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Increase your account of accumulation. Augmentez votre compte d'épargne. Faites un plan d'épargne. Économisez par vos paroles et vos actions toute la journée. Notez combien vous avez dépensé et économisez en pensée, paroles et actions. Maintenant, faites un plan spécial pour accumuler les pouvoirs des paroles et des actions. L'élément principal est l'esprit, mais en même temps, économisez aussi par vos paroles et vos actions, parce que l'esprit, les pensées, est incognito, mais les paroles et les actions sont visibles. Om Shanti. Om Shanti. Alors maintenant, débutons le voyage à Vierte, l'épisode 44, les murs à Vierte de 1969 qui nous inspire à changer de Brahmin en ange. Shanti. Om Shanti. 25th October.
le 25 octobre 1969, devenu victorieux pour devenir le perle du rosaire. Have you learned the calculation? Avez-vous appris le calcul de l'addition et de la soustraction? Avez-vous aussi appris à équilibrer? Il ne suffit pas d'apprendre à additionner et à soustraire, mais il faut aussi apprendre à accumuler. Si vous n'avez rien accumulé, vous ne pourrez pas le donner aux autres. Vous ne pourrez pas avancer vous-même. On accumule pour donner aux autres et pour pouvoir l'utiliser en cas de besoin. Vous devez donc vérifier dans quelle mesure vous avez accumulé. Avez-vous seulement gagné quelque chose et le consommé? Ou avez-vous aussi accumulé quelque chose? Avez-vous déjà calculé? Si vous n'accumulez que 25 %, c'est très peu. Si vous n'accumulez que 25 %, alors selon le calcul actuel, quelle responsabilité Bab Dada vous donnera-t-il? What responsibility will Bab Dada give you? Quand pourrez-vous accumuler les 75 % restants? 75%. Quand la destruction aura-t-elle lieu? Puisque vous dites aux autres qu'ils ne doivent pas remettre à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, pourquoi pensez-vous à toutes ces années? L'aspect du changement du monde est quelque chose qui se produira finalement de toute façon, mais il n'y a pas tant d'années pour que vous changiez. Les personnes qui font des efforts intenses ne diront jamais qu'elles changeront dans tant d'années. Si vous avez des sanskars de perfection sur une longue période, vous serez en mesure de vous perfectionner. You also have to make yourself. Si vous devenez parfait seulement à la fin, alors Bab Dada vous donnera aussi un petit peu quelque chose à la fin. If you become perfect only at the end, then Bab Dada will give you a little something just at the end. Ceux qui font cela à partir de maintenant, Bab Dada leur dira, entrez dans Satyoga dès le début. Bab Dada espère dans chaque bijou que cet enfant fera de beaucoup d'autres des personnes qui réaliseront ses espoirs. Comment quelqu'un qui fait des autres des personnes qui réalisent les espoirs des autres peut-il avoir l'espoir de faire quelque chose au dernier moment? Acha, est-ce le début ou la fin de la bâtie pour ce groupe? Ce groupe n'a-t-il pas fait d'examen? Si vous continuez à suivre l'exemple que vous venez de voir, vous pourrez passer l'examen. Que fait-on pour rendre quelque chose de très solide? Pour que les fondations soient solides, il est essentiel d'avoir un support tout autour. Plus il y a de choses autour, plus la solidité est grande. The greater will be the strength. Il n'y aura pas autant de force en posant des fondations uniquement sur le dessus. Vous aurez apporté autant de force en vous-même que la profondeur avec laquelle vous vous êtes imprégné de la connaissance. Tout le monde a opéré l'une ou l'autre transformation. Pourquoi dit-on l'une ou l'autre? Nous l'autre, parce que le certificat final sera donné lorsque vous l'aurez mis en pratique. Le certificat ne sera pas donné maintenant. Pour l'instant, vous vous réjouissez que chaque enfant soit très occupé
a fait progresser ses efforts avec beaucoup de zèle et d'enthousiasme. With a lot of zeal and enthusiasm. Mais vous ne recevrez le certificat que lorsque le résultat sera donné sous une forme pratique. In a practical form. Ne pensez pas que la bâtie est terminée. Elle ne fait que commencer. Pour l'instant, vous n'avez fait qu'entendre tout cela, mais puis vous devrez le mettre en pratique. Vous recevrez le certificat après l'avoir mis en pratique. La principale particularité de ce groupe est son unité. Mais à cette unité, il faut ajouter un autre mot. Il faut ajouter l'amour de la solitude. Tout comme vous êtes le numéro un en matière d'unité, vous devez devenir le numéro un en matière de solitude. Si ce groupe s'en imprègne, il pourra prendre de l'avance sur beaucoup d'autres. Vous devez également faire en sorte d'aimer la solitude tout en étant dans l'unité. Celui ou seul celui dont le yoga de l'intellect est rompu à toutes les autres directives. I should be linked in only one direction. Je ne devrais être lié qu'à une seule directive, c'est-à-dire qu'il ne devrait y avoir qu'un et aucun autre, un seul. Ceux qui ont atteint un tel niveau seront capables d'aimer la solitude. Sinon, même s'ils essaient de s'asseoir dans la solitude, l'intellect errera dans de nombreuses directions. Il ne sera pas en mesure d'expérimenter la félicité de la solitude. Seul celui qui a toutes les relations avec l'unique et qui goûte à toutes les douceurs de l'unique peut avoir de l'amour pour la solitude. Puisqu'il peut goûter à toutes les douceurs de l'unique, quel est le besoin d'aller dans d'autres directions? Cependant, ceux qui n'ont pas la pratique de goûter toute la douceur de l'unique essaieront de goûter la douceur de tout le monde. Et alors, il n'y a pas d'accomplissement. Il n'y aura d'amour que pour un seul. Parce qu'il n'aime que l'unique, il sera capable de rester dans le souvenir de l'unique. Parce que vous aimez beaucoup de gens, vous n'êtes pas capable de rester dans le souvenir de l'unique. You are not able to stay. Parce que vous aimez beaucoup de gens, vous n'êtes pas capable de rester dans le souvenir de l'unique. Le yoga de votre intellect devrait être séparé de beaucoup d'autres. Il devrait être lié à l'unique, c'est-à-dire appartenir à l'unique et à personne d'autre. Ceux qui ont atteint un tel niveau aimeront la solitude, sinon, même en essayant de s'asseoir dans la solitude, leur intellect vagabondera vers de nombreuses personnes et ils ne seront pas en mesure d'expérimenter la félicité de la solitude. Seuls ceux qui font l'expérience de toutes les relations et de toute la douceur de l'unique seront capables d'aimer la solitude. Puisque vous êtes capables d'atteindre toute la douceur de l'unique, quel est le besoin d'aller vers d'autres? Cependant, ceux qui n'ont pas la pratique d'expérimenter toute la douceur de l'unique essaieront de l'apprendre à beaucoup d'autres. Et ainsi, ils n'atteignent rien. En vous connectant au Père unique, vous obtenez de nombreuses satisfactions. Si vous vous souvenez simplement du mot « un », toutes les connaissances sont incluses dans ce mot. La conscience, les relations et le niveau sont tous inclus dans ce mot. Et tous les acquis que vous avez deviennent clairs grâce à ce seul mot « un ». Vous avez le souvenir de l'unique
Notre niveau est constant. Ekras. Ek veut dire un. Et toutes les connaissances que vous recevez sont pour le souvenir de l'unique. Les réalisations que vous recevez sont également constantes. Acha, cela va se continuer. Acha, on chante. Increase your augmentez votre compte d'accumulation. Faites un plan d'épargne. Save through your words. Économisez par vos paroles et vos actions. Throughout the day. Tout au long de la journée, notez combien vous avez dépensé et économisé en pensée, en paroles et en actions. Now, maintenant, faites un plan spécial pour accumuler les pouvoirs des paroles et des actions. The main thing. L'élément principal est l'esprit. Mais en même temps, économisez aussi par vos paroles et vos actions. Parce que l'esprit, les pensées, est incognito. Mais les paroles et les actions sont visibles. But words and actions are visible. जमा का खाता बढ़ाओ बचत की augmentez le compte d'accumulation et faites un plan d'épargne. Économisez par vos paroles et vos actions. Tout au long de la journée, notez combien vous avez dépensé et économisé en pensée, paroles et actions. Maintenant, faites un plan spécial pour accumuler les pouvoirs des paroles et des actions. L'élément principal est l'esprit, mais en même temps, économisez aussi par vos paroles et vos actions, parce que l'esprit, les pensées, est incognito. Mais les paroles et les actions sont visibles. Om